Bonjour, c'est Grey Fox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge Magie. On est sur une cape de l'œil attentif. Cape très difficile à FF, hein, peut-être une des pires du jeu. Qu'on va faire en brisage PA. Donc bah, écoutez, j'ai mes orbes, j'ai mes runes. J'en ai 100 de chaque là, sous le coude. Ouais, et bah, dès que ça passe, je vous retrouve et on fait le brisage PA. A tout de suite. Bon, bah 100 Tanta, 0 PA, donc je viens de reprendre 100. Les Kamas qui s'envolent, on continue, on reste motivé. Bon, bah ça a été assez capricieux, hein. Là, j'ai fait 192 Tanta, c'est passé, il me restait plus que 8 runes et 8 orbes, ça commençait à être un peu tantax. Surtout que j'avais déjà balancé une cinquantaine, soixantaine de runes de ma dernière session où il me restait des orbes. Donc là, on est à presque 250 runes et plus 250 orbes pour avoir le PA. Ça coûte cher, hein. Ça coûte très cher. Bon, il n'y a plus qu'à croiser les doigts maintenant pour que ça se passe assez bien. Parce que c'est un item qui est très dur à FM et j'ai assez peur de ce que ça peut donner. Bon, on part d'un jet qui est pas trop mal. Le 19 d'eau peut poser problème. On a une sagesse assez haute. La chance va falloir over. Pour l'instant, le G il est plutôt haut hein, de base, mais tout va dépendre de quand le PA tombe, hein, ça change absolument tout. Si le PA saute vite, ça peut être pas mal, ouais. Allez, on va tester, de toute façon ça sert à rien de chipoter. Qu'est-ce que je fais? Je vais monter les restes, je pense. Alors là, je vais compter à chaque fois, mais complètement. Donc 2 plus 3 plus 4 sur des gros items comme ça, hein, je veux pas gaspiller une goutte de puits, hein, très clairement. Je vais encore mettre ça. Ok, si ça tombe de la prospection, c'est génial. Ça va me permettre de grappiller un petit peu. Ok, le plus 1 est cool là. J'ai envie de tenter la passa. Ça fait une grosse rune. Ça peut faire tomber le PA. C'est peut-être strat de faire ça. Ou alors je vais plutôt mettre dans la répa. Ok. Là j'ai moins 1. Oh la chance à 80. Allez, la racha, il faut que ça fasse tomber le PA. Ah, oh, c'est tellement dommage. Non! J'ai plus 1. Et j'ai les deux à 17. Allez les amis, là c'est la pado de mon existence, hein, vraiment. La pado, grosse rune. Si le PA tombe là-dessus, j'ai le perf chance, perf do, perf vita. J'ai un G énorme. Moins 3, il me reste 1. Alors là, je vous cacherai pas que c'est un peu la sauce, hein. Je vais tenter la passa, mais si le PA tombe pas et que ça me... Putain, j'ai des lignes, regardez, 490, 20 sur cet item, c'est insane! Dommage. Et c'était le meilleur call, hein. Là, j'ai un G hyper haut, c'est absolument fou pour cet item. Là, j'ai moins 9. Plus 11. On va balancer les raises. Il y a des trolls qui me disent stop là, le G il est assez clean. Bah oui, en 8 et 7% res, bien sûr. Faut que je passe les res, hein, j'ai pas le choix, mais ça va me casser mes lignes. Oh, je suis tellement triste. J'ai moins 3. Là, j'ai plus 8. Moins 6. J'ai 2 de puits. T'es malade de tenter ces runes aussi lourdes. Mais non, il faut que je mette des runes lourdes pour essayer de faire tomber le PA. Oh, s'il était tombé sur la pado. Ok, j'ai une pado là. Incroyable. Alors, là j'ai encore. J'ai pareil. Là j'ai encore plus 2, je crois. J'ai 4 de puits. La pado. Je suis triste pour la chance. Hein, j'avais vraiment les lignes à fond là. Oh là là, la pado, ça fait tellement mal. Je viens de ruiner mon item là-dessus. Enfin, j'ai plus rien, hein, mais. Là j'ai plus. Là j'ai plus 1,2 là-dessus. J'ai plus 3, là j'en suis en mode je sais plus compter. Hein. Je crois que j'ai plus 3,8 là. Hein. Ça doit être ça. Hein. 1 de vita c'est 0,2. Hein, donc 4 de vita c'est 0,8. Donc là ça me refait encore 1 depuis que je grappille comme ça. J'ai plus 12. Moins 15. J'ai 6 depuis là. Pas d'eau, hein, de toute façon, pas d'eau, hein. C'est la plus grosse. Après, d'un autre côté, je peux me dire que si ça passe pas et que ça me fout les deux à 19, ça me fout au fond. Mais là, il faut grider, hein. Il faut vraiment essayer d'avoir de la chance. Ou alors la passa. La passa. Tra, c'était tellement beau l'attentat que j'avais. C'est bon, mes lignes sont ruinées, là, je suis hyper triste. Si ça, sur la pado, si ça tombait, j'avais un G, mais peut-être une des meilleures du jeu, là, vraiment, sans déconner, hein.
Là, je considère que je suis à zéro hein, quand il y a un truc comme ça. Je vais continuer pas ça, je pense. Oh, je vais balancer la... Je vais pas d'eau, mais j'y crois plus là. Ok, le cri de Pado qui nous remet un peu de bonhomme au cœur. Je peux tenter la Pafuit éventuellement. C'est une grosse rune. Ah, ça veut pas, hein. Je vais remonter ça à 7. Plus ça met de temps à tomber, plus je suis dans la sauce, hein. C'est pas compliqué. Ça me met 3 là, ok. On va tenter le cri. Ok. Plus 90. ...93. Et là, c'est compliqué, là. Je suis obligé de passer à la ravie. Faut que je commence par ça, j'ai pas le choix. Oh, ça passe. Le soulagement, les amis. J'ai 15 à récup. Je vais mettre une autre rune, de type Pafo, par exemple. C'est le stress, les amis. C'est vraiment la panique complète. Allez, il me faut un moins 15. Si j'ai un moins 16, je suis dégoûté. Bon, j'ai le perf vita, c'est déjà ça. Pense que je vais aller chercher le perf sous les lignes du bas. Et je verrai si je peux tenter l'over chance après. Crit. Crit. Oh bah balancez-moi vos meilleurs crits, hein, clairement. Ok, moins 6. Moins 12. On va faire comme ça déjà, moins 12. Je vais pas tenter la Pafuit, ce serait du grid et ça m'amène au power rate max de la ligne. Hein. Donc on va y aller par du plus 1, plus 1 là. Moins 8. J'ai encore beaucoup de puits, hein, ça peut faire un truc sympa. Hein. J'aurais pu balancer la rachat, mais j'ai tellement peur que ça me ruine mon truc. Ce sera discutable. Hein. Est-ce que la rachat en premier aurait été mieux? Enfin, juste après l'over vita, quoi. On va faire comme ça. Oh, le crit qui me met. J'ai des crits là, ça me met trop bien. Ok, 12. 18. 24. Il me reste 32, les amis. Mettre là une fuite. Je peux soit faire ça, soit balancer la rachat maintenant. Je pense que je vais faire la rachat parce que je pense que de toute façon, la fuite, je l'aurai. Oh, yes! Oh, c'est tellement cool. Je vais avoir le perf vita perf chance. Ok, là, c'est pour ça que j'ai gardé la fuite pour la mettre maintenant. Ok. J'ai une tenta de malade. Alors, je pourrais mettre de la rune innée, mais là, ça passera pas. Je vais plutôt mettre une autre rune. Par exemple, une rune innée. J'ai le cœur qui palpite, les amis, là. C'est vraiment... sur un item aussi dur, on a un jet de dingue. Mais vraiment de dingue, hein. Tout se passe tellement bien. Donc là, mon dernier line, c'est le moins 10, j'ai 22. Hein. Là, les amis, on va pouvoir balancer la passa. J'en ai deux tentants normalement. C'est ça, hein, j'étais à 32. Là, j'ai fait mon moins 10, donc j'étais à 22. Là, j'ai moins 9, il me reste 13. Bon, quand on tentait une passa. Oh, j'aurais tellement aimé qu'elle passe. Moins 9. Il me reste 4 et je peux tenter une Paini pour terminer. J'espère vraiment que je me suis pas chié. Si ça me fait une ligne rouge, là, j'ai le démon comme jamais. Et ça passe. Bon, techniquement, il me reste 1, mais je vais pas prendre le risque de m'être trompé juste pour grappiller 10 dini. Techniquement, je devrais, hein, si vraiment je voulais faire les choses bien, mais j'estime que ça a tellement peu de chances de passer que j'ai plus de chances de m'être trompé dans le puits que ça passe. Là, je fais le petit joueur, hein. Clairement, il faudrait. Mais là, on est tellement loin de. Les runes Innie, elles commencent à mal passer à partir de 200 Innie. Là, on est près de 500. Ça a tellement peu de chance, je vais pas le faire. Les amis, la passa. La passa, tellement triste. J'avais deux tentats passa. Bon, ça valait le coup de balancer 250 runes pour avoir ça. Hein. Là, clairement, 0% regret. Hein. 100%, je suis content. Je vais finir cette vidéo par déjà la rune trans et par un petit cadeau que j'ai prévu pour vous.
puisque j'ai d'autres items à terminer. Alors je prends juste ce dont j'ai besoin. Hop, hop, hop. C'est juste parti. Oh là là. Je suis si content. C'est incroyable, hein. Donc, on était là-dessus. Elle est tellement belle, les amis. La passa, j'ai eu deux tentes à passa. J'ai eu de la chance parce que mes over vita, over chance, ils sont passés sans me demander. Des fois, ils vous perdaient 40 de puits et essayaient de passer la grosse rune, quoi. C'est avec la passa qui passait là, c'était vraiment. Ça vous doublait la valeur de l'item, au moins. Hein. Bon, bref. Rune transcendance, on est sur une res distance. Hein. C'est pour un Xelor qui va jouer avec. Avec un 7 ans de malheur, donc il aura déjà des grosses res mêlées. Donc je mets de la res distance sur le stuff pour pas qu'il soit trop fragile. On reste quand même sur un G énorme. Ah, regardez les lignes perf. 490-20, incroyable. Et la sagesse qui aurait. Au fond de moi, j'ai la sensation qu'elle aurait dû être à 18, hein, à 48, pardon. Je me suis un peu fait arnaquer. Mais ça reste quand même insane. En plus, même l'ini, elle est haute. Donc là, vraiment très 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 gros G. On va prendre le screen, bien sûr. C'est superbe, hein, littéralement. On enchaîne. Alors, j'ai d'autres choses pour vous. J'ai vraiment d'autres choses pour vous. Pouf, faut que je me calme là, trop d'émotions. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a casque Dragueuf pour Rouginac. On va faire à la rune pour 100 dommages sort. On va mettre la rune de signature. Hop là. C'est toujours ça de prix. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des boucliers. C'est là qu'il va y avoir encore un petit passage un petit peu technique. Ça, c'est du bonus, hein, ça vous fait un petit contenu sympa, ça reste toujours beau. Bon, techniquement, il n'y a pas vraiment de truc de dingue, mais c'est toujours beau de voir des items G-perf comme ça. Il était perf le Dragueuf, hein, je me suis pas attardé dessus, mais. Pareil, bouclier pour Rouginac, dommage sort à fond parce que ça va être le Roxer, il va déjà être très tanky donc je veux vraiment qu'il dégomme tout. Donc j'ai perf encore. Tout ça a été fait sur brisage mais j'avais pas fait en vidéo. Hein. Oulala, on a failli oublier de signer, ça aurait été d'une tristesse. Pour son dommage sort, let's go. Parfait. Et on termine avec le moment un peu délicat. J'ai un 7 ans de malheur, les amis, que j'ai récupéré HDV. Mais qui a 1% R, donc qui a été fait avant les runes trans, bien évidemment. Et bah, il va falloir faire tomber le pourcent R pour avoir le GPF et mettre la rune trans. Hein. C'est très simple. Enfin, c'est très simple dans les faits, mais il va falloir le passer, quoi. Donc, allez, on va mettre pourcent reste feu. Et il faut que ça. Normalement, ça devrait juste m'enlever la pourcent reste R. Mais c'est possible que ça se passe mal. Hein. Yes. J'avais un petit doute. Enfin, je crois qu'il y avait quasiment aucune chance que ça se passe mal, mais des fois ça se comporte un peu bizarrement quand vous avez un exo. Et ça aurait pu faire de la merde. Mais donc là, normalement, du coup, je mets une ratavie là-dessus, c'est pour le Xelor. Salut à toi, Edouard, ça fait plaisir de te voir. En ce moment absolument insane. Et voilà. Pouf! Ah, c'était beaucoup d'émotions. Hein. C'est. Waouh! Imaginez qu'à 3 fois rien, on avait juste pas le PA sur la cape et c'était terminé. Et là, bah écoutez, c'est plutôt stylé. On va se faire un petit récap des G qu'on a chopé. On va se faire un petit récap. Attendez, je vais vous le mettre comme ça, je pense. Bon, la calculatrice, ça dégage. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de faire ça. On vient de faire ça. On vient de faire ça. Et on vient de faire ça. Ah, écoutez les amis, je crois qu'on peut dire qu'on est productif là. Hein. Je crois vraiment qu'on peut dire qu'on a été productif. Attendez, on va mettre ça là. On va mettre ça là. Tac tac. Ça passe ça? C'est lequel le plus petit? Ah, je veux mettre mes trucs bien rangés, hein, très clairement. Là, on en est au stade où on fait les choses bien. Qu'est-ce que vous en pensez?
Pas dégueu en vrai. Hein. C'est pas dégueu. Je vais aller caler ça sur mon Twitter. Je mets souvent les jeux que je réalise sur Twitter si vous voulez suivre et aller check. Voilà, ça permet de tenir un petit peu au courant ma communauté de ce que je fais. Bon, bah franchement, là, ça a été. On a sorti du gros G à l'appel. Hein. Donc vous avez compris, la suite de tout ça, ça va être la reprise du Coliseum. Hein. Je pense que c'est sans surprise, là, c'est assez explicite. Donc bah ça arrivera d'ici quelques jours sur ma chaîne. Voilà, inutile de me spam colis, 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 colis. Mais voilà, c'est l'idée, c'est que bien sûr, on reprenne les Coliseum derrière. Hein. Je fais pas CG juste pour les faire dans le vent. Hein. C'est évidemment pour une team Coliseum. C'est donc la fin de cette petite vidéo Forge de Magie. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, sachez que j'organise mes vidéos en playlist. Vous avez notamment mes playlists Forge Magie et une autre playlist compilation Forge Magie sur lesquelles je vous mets que les gros jets que je passe. Voilà, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.